Alors, une petite vidéo pour vous présenter le rôle d'éco-délégué, d'où il vient, quelles sont ses missions, comment être éco-délégué, comment se former. Donc, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques informations et suscitera quelques vocations pour être éco-délégué de votre classe ou même de votre établissement. En 2019, les éco-délégués sont mis en place dans quelques établissements pilotes pour tester la fonction. Ils sont principalement liés à la matière, à savoir le recyclage majoritairement, mais aussi la gestion de l'énergie pour éviter les dépenses superflues. En 2020, une circulaire de rentrée dans le BO numéro 28 du 10 juillet 2020, donc vous aurez le lien dans la description de cette vidéo, instaure obligatoirement le choix et l'élection de délégués de classe et d'éco-délégués de classe et d'éco-délégués d'établissement. En effet, il est précisé dans cette circulaire que l'écologie se base sur le fait de connaître et d'agir. Alors autant la version connaître était intégrée dans beaucoup de programmes officiels d'enseignement pour apporter des connaissances aux élèves, autant le volet agir était quasiment absent. Et c'est donc maintenant le rôle de ces éco-délégués que d'agir pour l'établissement et pour la planète, si on voit plus large. Donc nous allons voir maintenant les missions des éco-délégués. Globalement, le rôle des éco-délégués est de permettre la mise en œuvre de démarches écologiques, de transition écologique, de développement durable au sein de leur classe et de leur établissement. Ils sont là pour apporter leurs connaissances, mais aussi montrer leur engagement pour essayer de montrer aux autres qu'il est possible de faire changer les choses avec des connaissances et en agissant, donc connaître et agir. Les missions des éco-délégués s'articulent autour des grands enjeux du développement durable, à savoir limiter la consommation d'énergie, protéger la biodiversité, savoir avoir des êtres vivants divers dans les environnements, trier et gérer les déchets, limiter le gaspillage alimentaire et surtout l'idée d'unir les personnes dans des projets éco-responsables, ce qui permet d'avoir une dynamique de groupe. Les missions des éco-délégués peuvent avoir quatre aspects différents. Déjà, être un relais, c'est-à-dire apporter des informations à leurs camarades ou à leurs professeurs au sein d'un projet, par exemple, quand ils ont vu un reportage qui pouvait les intéresser et qui pouvait être appliqué au niveau du collège. Ils sont aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être membres de commissions décisionnaires du collège ou du lycée, comme le conseil de vie collégienne, vous avez une petite vidéo qui le présente, ou alors du conseil de vie lycéenne ou même du CA, pour apporter les idées de leurs camarades et les transmettre aux instances décisionnelles. Ils sont aussi acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont s'impliquer dans des projets qui leur semblent intéressants et importants pour l'établissement pour améliorer notamment la transition écologique. Et enfin, ils peuvent être garants de ces projets puisque comme ils y participent ou en tout cas permettent de les mettre en avant, ils vont pouvoir mettre en place des évaluations qui permettront de connaître la pertinence de ce projet et voire de le mener à un niveau supérieur, collège, région, département, voire même national pour les projets les plus innovants. Bien sûr, ces missions, les éco-délégués n'ont pas à les exercer seuls. Ils peuvent être aidés du CPE, du professeur principal, mais aussi des autres éco-délégués, du conseil de vie collégienne, et bien entendu, s'il existe, d'un club environnement ou d'un club développement durable. D'ailleurs, s'il n'existe pas, ça peut être un projet de le monter dans son établissement. Ouais, je dis ça, c'est juste une idée à prendre. Alors là, les missions sont assez peu claires, mais prenons quelques exemples de missions des éco-délégués. C'est quelqu'un qui peut donner des informations aux autres élèves, mais qui peut aussi prendre des informations de ses autres élèves. C'est quelqu'un qui peut alerter les instances décisionnelles, comme le conseil d'administration, via son professeur principal ou la CPE, pour leur dire ce qui ne va pas et qu'ils ont constaté dans l'établissement. Le fait qu'il n'y ait pas de bac de tri, par exemple, le fait que les poubelles débordent, le fait qu'il y ait des néons qui ne fonctionnent pas ou qui soient mal installés. C'est aussi quelqu'un qui va pouvoir proposer des solutions. Oui, proposer de mettre en place un projet pour le recyclage, proposer des solutions pour la cantine. Donc c'est quelqu'un qui peut être force de proposition. Par contre, ce que n'est pas un éco-délégué, c'est quelqu'un qui ne fait pas le gendarme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à être derrière vos camarades, à faire ci, fais ça, etc. C'est pas quelqu'un qui va ramasser les papiers. Il n'est pas là pour rattraper les erreurs des autres. Il est là pour leur montrer comment ne plus les faire. Et du coup, c'est pas quelqu'un qui va passer son temps à éteindre les lumières et à fermer les fenêtres. Donc vous le voyez, les missions de l'éco-délégué peuvent être variées et à différentes échelles. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on peut devenir éco-délégué. Il y a deux types d'éco-délégués. L'éco-délégué de la classe, et dans ce cadre-là, les élections se font comme pour les élections des délégués. D'ailleurs, je vous remets le lien vers la vidéo sur l'élection des délégués. Profession de foi, se présenter avec un suppléant et être élu. Quant aux autres éco-délégués, les éco-délégués d'établissement, ils sont désignés, choisis, par le conseil de vie collégienne ou le conseil de vie lycéenne, et ce sont donc eux qui vont pouvoir porter des projets au niveau de l'établissement. Ils feront d'ailleurs des comptes rendus au niveau du conseil d'administration pour leur montrer ces projets
et en suivre le déroulement. Petite information supplémentaire, il peut y avoir un groupe de pilotage pour les éco-délégués pour qu'ils puissent se rencontrer et échanger leurs idées pour améliorer les performances des projets qui sont menés au niveau de l'établissement, mais il faut aussi préciser que pour les éco-délégués d'établissement, il faudra la parité, à savoir un garçon et une fille dans le choix. Quant à eux, ils pourront chapeauter le comité de pilotage. Tous ces investissements pour des élèves, parce que c'est du temps, pourront être mis en valeur dans le parcours citoyen des élèves qui sera validé à la fin du cycle 4, notamment au niveau du brevet. Donc oui, c'est quelque chose qui peut aussi avoir un impact sur la scolarité des enfants et montrer leur volonté de s'impliquer dans la vie commune. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations et notamment l'envie d'être éco-délégué. Je mets dans la description de la vidéo l'ensemble des liens qui vous décriront un peu plus précisément les choses et vous apporteront d'autres informations. Vous avez aussi un lien que je mets ici qui permet de se former, de s'auto-former, d'avoir des modules que je ne vais pas tous retranscrire ici pour être éco-délégué. Donc je vous dis bonne élection, bonne représentation, ayez plein d'idées et de projets, motivez tout le monde et à bientôt.